Notre histoire commence dans les années 1920. Les héros victorieux de la bataille de Vittorio Veneto défilent dans les rues d'un pays en fête. Cependant, l'Italie est déçue par les conditions du traité de Versailles. Profitant du climat d'insatisfaction générale, Benito Mussolini se fait le porte-parole des protestations populaires. Derrière les hymnes et les chansons de circonstance, auxquelles s'ajoute un programme populiste, l'ombre du Duce s'éteindra bientôt sur toute la péninsule. Grâce à ces images champêtres, les caméramens au service du régime veulent donner l'idée d'un pays gardien des valeurs de l'Italie éternelle. Mais bêcher, labourer, faucher, battre le grain, travailler à la ferme sont toujours synonymes d'une vie harassante et misérable. C'est l'époque des grands départs nocturnes. Les coureurs s'élancent de Turin en direction de Gênes, qui paraît alors si loin. Nous sommes au temps des pionniers, et malgré les efforts des organisateurs, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un participant se trompe de route, de jour comme de nuit, entraînant parfois dans son sillage certains de ses concurrents. Bien que l'on doive se soumettre au salut fasciste, alors obligatoire, le cyclisme est un sport libre et populaire. En 1927, c'est Alfredo Binda, surnommé le héros de l'équipe Legnano, qui est le vainqueur du Tour d'Italie après avoir remporté 12 étapes sur 15. Ce sport dur et exténuant, pratiqué sur route par des protagonistes appartenant aux couches sociales modestes, n'intéresse pas réellement le régime. Seule la ligne d'arrivée permet aux politiciens de mettre en valeur son image devant une foule en liesse, canalisée comme dans les stades lors des matchs de football ou des spectacles de gymnastique. Le 21 mai 1933, Alfredo Binda remporte son cinquième Giro, franchissant la ligne d'arrivée devant des dignitaires. Totalmente felice per aver così battuto un forestiero di grande valore che mi ha dato non poco filo da torcere. Tandis que Binda, champion assidu, s'exprime en renouant avec la figure du lutteur italique, les fascistes portent en héros bicyclettes et coureurs. Ceux-ci, pleins d'enthousiasme, montrent le visage débonnaire de l'Italie. Mais plus pour très longtemps. De l'autre côté des Alpes, en France, terre d'immigration des Italiens, le cyclisme est une sorte de fête populaire où les coureurs et les spectateurs fraternisent devant des buffets improvisés. En 1938, Bartali, en pleine forme physique, a pour mission de représenter l'Italie dans le prestigieux Tour de France. Dans ce pays, qui n'est pas encore un ennemi, les femmes jouissent d'une certaine liberté qui leur permet de ne pas être reléguées au foyer. L'Italien Bartali, comme l'appellent les présentateurs français, remplit consciencieusement sa mission. Grimpeur d'exception, il domine tous ses adversaires dans les côtes. Casse-cou, il les pulvérise littéralement dans les descentes. Déjà doté du titre de meilleur grimpeur, Bartali endosse le maillot jaune jusqu'à Paris. Un exploit. Le jeune Fausto Coppi est son grand admirateur.
il participe au Tour du Piémont en 1939, où il rivalise avec son idole. Coppi perd la course de peu. Le grand Gino, incrédule, observe cet inconnu et le fait engager dans son équipe pour le Giro de l'année suivante. Et il gagne, à 20 ans, son premier Tour d'Italie. Juin 1940, le Duce déclare l'entrée en guerre de l'Italie. Ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. 11 jours après la victoire de Coppi au Giro et 10 jours après la déclaration de guerre, ce sont d'autres bicyclettes qui se dirigent vers Menton et Nice. Côté italien, les moyens sont dérisoires et les morts nombreux. Les soldats manquent d'entraînement et reçoivent peu d'aide de la population, ce qui tranche avec l'enthousiasme de leur commandant. La guerre est finie, l'heure de la reconstruction est arrivée. En 1945, un célèbre antifasciste, Arturo Toscanini, dirige la Scala de Milan, reconstruite après les bombardements. Milan-San Remo, l'événement cycliste du printemps. Coppi ne peut pas, ne doit pas la perdre. Elle constitue le nouveau lancement de sa carrière, interrompue par la guerre. Son destin en dépend. À travers un territoire divisé par des rivalités régionales, Fausto court sur son territoire avant de rouler vers le soleil de la côte ligurienne. C'est une course historique, une course à la Coppi. Les jeux sont faits. Coppi ne sera pas rejoint, ni ce jour-là, ni les suivants. Il a un avantage de 14 minutes sur Tesser et de 24 minutes sur Bartali. L'Italie se divise entre pro-Coppi et pro-Bartali. Giro 1946. Un nouveau duel se prépare. Fausto Coppi sourit et plaisante avec ses équipiers. Gino Bartali, sous son vieil air bourru, est un homme sincère. La course n'est pas sans risque. Sur la route qui mène à Trieste, revendiquée par la Yougoslavie, la caravane est attaquée par des bandes armées incontrôlées. Bartali, qui suce la roue de Coppi, conserve le maillot rose. Coppi franchit la ligne d'arrivée en tête lors de la dernière étape aux arènes de Milan, mais est disqualifié pour sprint irrégulier. Après tant d'heures de course, Coppi arrive second à une minute de son ami et rival. Le Tour d'Italie de 1947 se déroule en pleine reconstruction. Les routes sont précaires dans un pays encore dévasté par la guerre, où les ruines sont des plaies ouvertes. Après des kilomètres couverts de terre, de poussière et de sueur, Bartali et Coppi, sous les yeux de leurs admirateurs, s'apprêtent à disputer la grande course. Tous les coureurs sont épuisés par les montées éprouvantes. Coppi et Bartali offrent au contraire un spectacle stupéfiant. Coppi, toujours couché sur son guidon, est la figure du piémontais introverti. Bartali, celle du toscan ronchonneur.
Coppi grimpe une côte qui semble facile sous la légèreté de son coup de pédale. Le panorama est à couper le souffle. L'effort de Coppi est constant, mais Bartali ne faillit pas. Fausto et Gino sont en train d'écrire une page de l'histoire du cyclisme. Malgré le vent en sa défaveur, le premier arrive à 30 avec plus de 4 minutes d'avance sur le vieux. À l'arrivée, Bartali, vaincu, ne peut cacher sa tristesse. Nous sommes en pleine guerre froide. Le 14 juillet, des néofascistes tirent sur le secrétaire général du PCI, Palmiro Togliatti, le blessant. De son lit d'hôpital, Togliatti calme les esprits et rassure la population. Io ringrazio tutti quelli che da tutta l'Italia e da fuori d'Italia mi hanno mandato l'espressione del loro affetto, i loro saluti, i loro auguri. Da Brescia a Milano nulla di speciale si è verificato. Si può chiamarla la tappa della folla e dei traguardi. Mai vista tanta folla accumularsi ovunque sui bordi delle strade. Il Giro d'Italia non poteva concludersi più degnamente di così. È la sagra del ciclismo italiano ed il giusto premio di sì lunga fatica. È vigilissimo, non ama sorprese e vuole arrivare a Milano conservando sulle spalle quella maglia rosa che ha fatto nascere tante complicazioni. Premi di traguardo ovunque e sgroppate e scatti continui dei contendenti. L'arrivo e la fine della dura fatica. Chiudono le fatiche delle salite di questo 31° Giro d'Italia. E così,
Fiorenzo Magni ha scritto il suo nome nell'albo d'oro della tradizionale corsa. Le Tour de France commence. C'est la première fois que Kopp y participe, mais il commence mal. Le cinquième jour, dans l'étape de Saint-Malo, il chute. Rien de cassé, mais son vélo est inutilisable. Il a 2 minutes de retard, ce n'est rien, mais son moral en a pris un coup. Bartali l'attend, l'aide. Kopp arrive avec 35 minutes de retard à Saint-Malo. Il veut abandonner, mais la nuit porte conseil. Et comme une horloge bien réparée, la machine humaine se remet en marche. Sa position est parfaite, centre de gravité impeccablement placé, jambes interminables qui donnent à son coup de pédale un rythme correct et continu. Résultat, son retard se réduit à 15 minutes après le franchissement des Pyrénées. Enfin les Alpes. Couvertes de neige en hiver, arrosées par les pluies en été, elles sont envahies de cars en juillet. Dans l'étape Cannes-Briançon, le Suisse Ferdi Kübler, surnommé le fou pédalant, s'échappe comme une flèche à 10 km de l'arrivée. Doté d'une puissance phénoménale, il n'est toutefois pas un grand stratège. Personne ne le suit, mais une crevaison le contraint à s'arrêter. Bartali et Kopp sont en tête d'un groupe dont ils se détachent pour peu à peu transformer la course en un duel. Les autres, tous les autres, ne sont plus que des figurants à la dérive. À Briançon, Kopp ralentit pour laisser passer Bartali qui fête son 35e anniversaire. Il offre le maillot jaune à son ami Gino. Les deux Italiens n'ont désormais plus d'adversaires. Bartali préfère remporter le Grand Prix de la montagne et Kopp savourer les victoires d'étape en plaine. Au sommet du Petit Saint-Bernard, non loin de la frontière italienne, la distance qui les sépare du peloton est trop importante pour qu'ils soient rejoints. Dans la plaine, sur la route d'Aoste, Kopp peut être tranquille. C'est au tour de Bartali de lever le pied. Le Campionissimo poursuit seul sa course vers le territoire italien. Kopp revêt son premier maillot jaune. Il remporte le tour, il a gagné son pari. Le héros est heureux. 4 jours plus tard, c'est le dernier contre-la-montre. D'être humain, il se transforme en bolide. Le Campionissimo sourit. Bartali entre le premier au Parc des Princes, comme l'année précédente, mais Kopp mène le tour avec une bonne avance sur l'infatigable Gino. Kopp a 30 ans. Il est à l'apogée de sa carrière. C'est sa plus grande victoire. Une victoire sur lui-même plus que sur ses rivaux. L'Italie découvre sa passion pour les engins à moteur.
Girardengo, Belloni, Binda, Guerra, les champions des années 1920-1930 viennent à être là pour la dernière course des années 1940. Automne 1949, le Tour de Lombardie démarre. Fausto Coppi a derrière lui une année de miracle sportif. Troisième victoire au Giro. Première victoire au Tour de France. Maillot du championnat de poursuite. Vainqueur au championnat d'Italie sur route. Malgré cela, il n'est pas fatigué. Pour la quatrième fois consécutive, il se lance dans cette course. Et il la remporte dans son style habituel, en s'échappant. Il va jusqu'au pied du Ghisallo et dans la plaine, seul contre tous, il double les minutes d'avance qu'il a gagnées dans la montagne. Neuvième étape du Giro. Il y a une centaine de participants. Descentis s'échappe. Une échappée folle, sans soutien tactique, avec comme seul but, foncer. Il distance le peloton. Les coureurs sortent de Primolano. Fausto Coppi est absent de l'équipe Bianchi. Il a une triple fracture du bassin selon le diagnostic du médecin. Pour Coppi, non seulement le Giro est terminé, mais aussi la saison qu'il avait ouverte en remportant Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne. Contre le tenace Robic et le tout jeune Hugo Coblet, qui porte déjà le maillot rose, il croit en Bartali. Gino va sur ses 36 ans. Il commence à attaquer véritablement ici, sur le Pordoi et le Gardena. À Bolzano, il réussit à s'en tirer avec une envolée astucieuse, mais le Suisse est dans sa roue. Le petit Coblet, qui se peigne en pédalant, n'est pas un rigolo. Il le démontrera en conservant le maillot rose sans problème jusqu'à l'arrivée finale à Rome. ...1950 est déjà du passé. Fausto Coppi s'entraîne consciencieusement avec son frère Cerce. Le 29 juillet, il participe au Tour du Piémont pour mettre au point son coup de pédale. Partiti 96, soltanto 46 giungeranno al traguardo. Fra questi, Cerce e Coppi, che qui vediamo dietro a Corriere in movimentare la corsa. Poco prima di Acqui c'è chi ha dedicato a Gino il suo Evviva. E Gino ha risposto subito, scappando con altri dopo il rifornimento. Coppi, che inseguiva vigorosamente Commagni, si è rimesso da poco in sella dopo una foratura. Fra poco riprenderà i compagni di squadra che lo attendono. Lo attende soprattutto Cerce, il fratello che pone nella sua opera di gregario la dedizione di uno smisurato affetto. Ma Gino è ormai irraggiungibile. Il terzetto perduto a Roma è raggiunto da Vincenzo Rossello e Fornara è divenuto quartetto. E sulla pista del velodromo Bartali, con spunto irresistibile, è primo davanti a Fornara, Rossello e Astrua. Era da 12 anni che Gino non vinceva il Giro del Piemonte. Più che giusto che gli ammiratori lo portino in trionfo. Ma anche la gioia di Gino sarà presto velata di mestizia. Una caduta in... Cerce Coppi meurt d'une hémorragie cérébrale suite à une chute en ville qui ne l'a pas empêché de franchir la ligne d'arrivée. Fausto est brisé. Il ne courra peut-être plus. Le spectacle continue. 11e étape du Tour de France, Brive-Agen. Le boxeur Ray Sugar Robinson est au départ de la course. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Hugo Coblet, que l'on nomme le pédaleur de charme, a déjà remporté l'étape contre la montre. Maintenant, il s'échappe sur les faux plats vers Agen, seul pendant 140 km. Un exploit à la Coppi, qui en fait un candidat à la victoire finale. On n'est pas encore dans les Pyrénées, où Fausto est le seul à lui résister. Mais l'Italien a traîné de force sur les routes de France. Il est totalement démoralisé et Coblet semble imbattable. Le retard de 5 minutes qu'il accuse ne représente pas grand-chose car les Alpes sont encore devant lui. Mais bientôt, il a 40 minutes de retard. Dans sa tentative de contenir une nouvelle attaque de Coblet, dans l'étape Carcassonne-Montpellier, Coppi n'en peut plus.
il n'a jamais eu un coup de pompe si grave de toute sa carrière. Poussé, soutenu par ses équipiers, il subit l'offense d'être hors temps. C'est l'époque du miracle économique. L'entrée de l'Italie dans la communauté européenne du charbon et de l'acier vaut sans aucun doute le sacrifice de l'émigration. Et certo, è sempre un grandioso spettacolo questo nascere del metallo in un torrente di fuoco. Colata inaugurale della comunità carbosiderurgica che collega Francia, Belgio, Olanda, Germania, Lussemburgo e Italia in un patto di unità delle materie prime. Légende plus qu'histoire, aventurier plus que héros. L'on pourrait ainsi définir le cyclisme et les coureurs, dont les témoignages, fanés par le temps qui passe inexorablement, ne sont pas entrés dans le bagage culturel et sportif des jeunes des dernières générations. Les souvenirs, les anecdotes les plus croustillantes, les événements les plus poignants se perdent dans l'oubli. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce que les pionniers du cyclisme ont voulu transmettre à la postérité, à nous, qui sommes seulement attirés par le sensationnel. Il est temps d'exprimer notre reconnaissance à tous ces athlètes qui, à leur époque, ont imprimé dans le cœur et l'esprit des sportifs de magnifiques sentiments alimentés par la passion pour un sport dur qui demande un sacrifice extrême. Le cyclisme est entré dans la légende parce qu'il a toujours été un sport d'humble. Presque tous les grands champions sont issus des couches sociales défavorisées et sont de vrais fils du peuple. Certains d'entre eux, qui sont nés et ont grandi dans des régions pauvres, doivent la fin de leur anonymat et leur gloire à la bonne vieille bicyclette, considérée alors comme l'un des plus modestes moyens de transport. Milan-San Remo 1952. Le vainqueur est Loreto Petrucci, outsider de l'équipe Bianchi. Ce sont des personnages légendaires, hors du commun, qui ont contribué à créer un important mouvement de sympathie vers une discipline facile à appréhender, instinctive, et qui ne s'embarrasse pas de trop de règles. Leur histoire est truffée d'anecdotes incroyables, de péripéties paradoxalement amusantes et dramatiques. Elles retracent leur manie, leur phobie, leurs ardentes passions, le danger que recèle la popularité. Mais aussi l'amertume de la défaite, les terribles coups de pompe et le découragement qui s'ensuit, les rivalités, les antipathies, les rapports difficiles entre les membres d'une équipe souvent divisés par l'exaltation propre aux sportifs. Aujourd'hui, dit-on, le cyclisme a changé. La succession rapide des prestations exceptionnelles et des records a fini par effacer l'aspect humain, le sacrifice, les sentiments et l'âme des coureurs. Au point qu'elle a gommé les histoires émouvantes et extraordinaires des protagonistes d'alors. Ils étaient nombreux, les prétendants au maillot rose du Giro de 1952. L'indomptable Bartali, Magni, vainqueur du Giro en 1951. Kübler, maillot rose en 1950. Koblet qui a remporté le Giro en 1950 et la Grande Boucle l'année suivante. Mais au pied des Dolomites, Coppi a déjà endossé le maillot rose. De Venise à Bolzano, le Giro attaque les Dolomites, Coppi domine, éliminant ses adversaires. C'est à cet endroit que Fausto a remporté son deuxième tour d'Italie. Ici, il assure son troisième triomphe.
Dans les 100 premiers kilomètres, son équipe a semé le peloton et Fausto attaque le Falsoi. Très vite, il est seul. L'école du Pordoi, de Sella. Il court une épreuve contre la montre sur un dénivelé de 12-13%. À l'arrivée à Bolzano, Coppi est toujours seul. Il a 5 minutes sur Bartali et Magni, 6 sur Kübler et Gemignani, qu'il a voulu intégrer à son équipe. Un équipier de luxe. Coble est encore loin. Non credo sia sufficiente la mia voce a farmi riconoscere. Vi dirò allora il nome. Mi chiamo Fausto Coppi. Prima di essere Fausto Coppi, sono stato un semplice gregario. Mi sono fermato alle fontane a riempire le borracce d'acqua. Ho ceduto tante ruote quando il mio caposquadra forava. So per esperienza cosa significhi essere gregario. È una vita dura, difficile, amara. L'équipier est un coureur qui se met totalement au service du chef de file. Passiamo per i paesi, per le città, quando la corsa è già lontana. Viene voglia di entrare in un bar e buonanotte. Tanto, anche se riesci a rientrare in gruppo, nessuno si accorge di te. Ma poi si pensa che alla radio c'è qualcuno che aspetta di sentire il tuo nome e allora pensi che forse ce la puoi ancora fare. E rincominci a pedalare. Che vita, ragazzi. Il Giro d'Italia, per esempio, sarà lungo quasi 5.000 chilometri. Per un gregario però di importanti ce ne saranno due o tre. Prima di arrivare nel tuo paese, passarci dentro e andarsene. Di solito il traguardo dei nostri paesi lo vinciamo noi. Lo sappiamo che spesso è una questione sentimentale, te lo lasciano vincere. Però quando sei lì a Russi, per esempio, e sai che di fronte al comune c'è mezzo paese che aspetta per vederti spuntare primo, per poter gridare forza pezzi, porca miseria, allora dici che quella è una delle tue poche occasioni e non te la lasci scappare. Le rêve impensable de Carrea ne dure qu'un jour. Le Tour de France de 1952 en est à la moitié et les coureurs affrontent les virages abrupts de l'Alpe d'Huez. Coppi est troisième au classement général. Il a déjà hypothéqué le Tour dans le contre-la-montre à Nancy. Gêné par les sprints de Robic, il se décide à passer à l'action et remporte le maillot jaune que revêtait Carrea. Seul Robic s'est accroché à sa roue. Le Breton est un battant. Il a un courage immense et tenace. We'll be right back.
Il gran giorno, da Bourg d'Oisans è scattata la tappa più dura di questo tour. Due colli di prima categoria, fra cui leggendario Galibier, tetto del tour. Uno di seconda, uno di terza. È falsa l'amicizia tra i grandi arrampicatori nel folto del plotone. Ed ecco la prima scintilla. All'attacco della Croix de Fer su di un tentativo di Zelasco sono scattati Coppi, Geminiani e lo spagnolo Gelabert. Il piccolo trappello viaggia di conserva per qualche chilometro dell'erta, quasi avesse trovato un punto di equilibrio. Ma chi conosce Coppi, il Coppi delle grandi giornate, può forse già scrutare sul suo volto il presagio del temporale. Puntuale, sono nuvoloni e fulmini per i suoi rivali. Fausto se ne va, la sua ruota si è liberata di ogni ombra. Gelabert e Geminiani sono scivolati via quasi in silenzio. Poderoso Coppi spinge la sua figura leggerissima, quasi aerodinamica, su verso i 2000 metri del colle. Si volta. Già alle sue spalle si è fatto il vuoto e il campionissimo capisce che non v'è altro da fare se non guardare innanzi. Geminiani e Gelabert intravedono la maglia gialla qualche rampa più su. Inutile per tutti cercare di tenere quel ritmo che sa di inferno come una magia. Bartali, il vecchio leone, cerca il giusto rodaggio. Verrà il tempo di emergere poi anche su qualche giovincello dell'ultima generazione fin troppo audace. La vetta, 1358 metri di dislivello, e Coppi se li è sorbito il fiato. A lui il premio di 40 secondi da buono, anche se non conteranno molto in saccoccia ad uno che misuri distacchi a quarti d'ora. E poi giù verso la valle. È un volo per aquile, ma Coppi preferisce essere prudente. Acquistano terreno anche gli inseguitori. Ma già si annuncia il secondo colle di prima classe, il Galibier. E Coppi riprende a fare l'andatura. La salita, 34 ripidi chilometri per un dislivello di quasi 2000 metri fino a quota 2556, Fausto è più forte della montagna. Fin dall'inizio è fuggito un giovane di belle speranze, è Jean Le Guy, regionale dell'Ovest. A metà salita si parla di 2 minuti e mezzo di vantaggio, è il suo en plein. Coppi, guardato a vista da Geminiani e soci, non pensa che a darsi una rinfrescatina. Raccoglie su se stesso e senza nemmeno salutare i colleghi se ne va. È un addio o un arrivederci. Certo è pericolosetto per chi resta. E Coppi è solo. Altri 40 secondi di abbuono attendono lassù in cima a un Galibier che conobbe la disperata resa di tanti campioni e il trionfo di tanti altri. Ma stavolta Coppi parte con l'handicap davanti a Le Guy. Bernardo Ruiz, scalatore delle Sierras, è il primo uomo sulla scia di Fausto. E dietro Ruiz, ecco Geminiani con Okers e Klose e Gelabert. Protagonisti oppure comparse di questa tappa decisiva? La risposta è nella capacità di tenere un ritmo che si addice soltanto ai grandi, ma qualcuno ce la farà. In posizione d'attesa è Gino Bartali. Se qualcuno degli inseguitori di Fausto cede di qualcosa, ecco il vecchio campione superarlo con azione ostinata e potente, come ai bei giorni. Siamo a 4 km dalla vetta, Coppi è già sul Le Guy. Fanno scorta gli uomini del seguito ai due alfieri della corsa e forse qualcuno spera nella rivelazione del giovane. Spera che l'allievo possa rivelarsi almeno pari, almeno di poco inferiore al gran maestro. Inutile, Le Guy è sfiancato, Coppi vola e lui no. Il superbo panorama delle Alpi innevate che annunciano l'avvicinarsi dell'Italia si offre a Fausto Coppi prima che ad ogni altro. È un privilegio che ha il suo peso, perché il dominatore di queste montagne non potrà che essere il dominatore del tour. Dietro, ormai vinto, Le Guy, più che pedalare, rema. Ruiz lo sorpasserà. Dritto sulla sua ammiraglia, Alfredo Binda annota 40 secondi anche sul Galibier. E Coppi infila la strada che caprioleggia giù verso Briançon. Alla riva del Sestriere ancora più di 70 accidentati chilometri. Reggeranno le ali? Fausto vi provvede sbucciando con tutta calma una banana e fa quello che in termini automobilistici si chiama rifornimento di carburante. Penultima salita, il Monginevro. La possente macchina di Coppi, prodigio di natura, non perde un colpo. Non v'è pedalata che non abbia in sé la stessa forza e la stessa potenza di quella che l'ha preceduta o di quella che la seguirà. Una posizione sicura, quasi immobile, senza scatti o contorsioni disunite. Le mani alte sul manubrio, questo fenomeno atletico vanto del ciclismo italiano, è prodigio di forza quanto e soprattutto prodigio eccelso di stile. Sulla discesa qualcosa di molto caro al cuore di Coppi, il più forte ma non il meno sentimentale cuore del mondo, è il confine d'Italia. E dichiarati la dogana 4 minuti e mezzo su Robic, 5 su Okers e Ruiz, 6 su Bartali e Le Guy, Coppi riprende a salire. Quarta salita il Sestriere.
avvicinò con l'inesorabile regolarità d'un pendolo d'orologio le gambe più famose del mondo. Il passo di Coppi, il passo che non ha rivali, il passo del dominatore. Da anni la vittoria conosce a memoria il fruscio di queste ruote e, se permettete, il profilo di questo naso. È fatta il Sestriere, la visione della magnifica località alpina che s'annuncia con le bianche torri dei suoi famosi alberghi, col verde tenero dei suoi prati, con l'azzurro terso del suo cielo, chiude un grande capitolo della storia di questo tour. Coppi, a passo marziale, compie gli ultimi metri su un pendio assai più dolce. S'abbandona infine, vincitore, all'abbraccio di una folla in delirio. Grande, incomparabile campione. Stasera la tua maglia gialla sarà al sicuro dietro un distacco di 20 minuti. A un altro campione dobbiamo oggi celebrare, Gino Bartali, giunto al traguardo quinto nonostante una nuova caduta e che risale in classifica verso il posto d'onore di cui è degno. Gli sportivi di Francia non hanno potuto salutare nemmeno quest'anno e sono già 5 anni di digiuno la vittoria di un loro beniamino, ma la lealtà del pubblico da Brest a Parigi è riflessa dal generoso applauso ai migliori. Al Parco dei Principi per gli ultimi 500 metri del tour, 40.000 persone. Rodoni, presidentissimo dell'UBI, cova amorosamente il trionfatore Coppi mentre sta per essere sommerso dall'abbraccio di 1.000 ammiratori di ogni nazionalità. Per Hockers, degnissimo secondo, le gioie della famiglia. Un festoso ritorno val bene una lunga lontananza. È il trionfo di Coppi, dolcissimo è il profumo dei fiori della vittoria, mentre l'atleta imbattuto sale verso la tribuna d'onore ad accogliere l'omaggio delle personalità dell'ambasciata italiana e della federazione internazionale. Nel trionfo di Fausto e della squadra si spiana l'arcigno volto di Ginettaccio per questa vittoria che premia non un solo uomo, ma con lui tutti i suoi compagni. Le Giro de 1953 est dominé par Coblet. Coppi a presque 34 ans. Sur les Dolomites, il a opté pour la force. Mais Coblet l'a rejoint dans la longue descente vers Bolzano et l'a clairement laissé remporter l'étape lors du sprint. En contrepartie, il s'attend à ce que Coppi ne lui livre pas bataille le lendemain dans l'étape du Stelvio. Ce soir-là, à Bolzano, Coblet est convaincu d'avoir gagné son deuxième tour d'Italie. Fausto est résigné. Il a 2 minutes de retard au classement général. Dans les premiers virages du Stelvio, le peloton arrive épuisé. Les équipiers de Coppi sont allés à un train d'enfer. À Bormio, il a presque 4 minutes d'avance sur Coblet. C'est ainsi que Coppi arrache sa 5e victoire du Giro. ...1955, Tour d'Italie. Coppi court dans l'espoir de le remporter. Il le perdra à 13 secondes. Même les Dolomites ne pénalisent pas Gastone Nancini. Il est maillot rose lorsque la caravane entame les premiers kilomètres de l'avant-dernière étape 30 San Pellegrino. L'histoire du Giro semble terminée. Coppi remporte l'étape et manie la course. Le Tour de Lombardie clôt la saison cycliste 1956. Coppi, avec Ronchini dans sa roue, fait une échappée du Ghisallo à la périphérie de Milan. Rejoint, il tente de vaincre lors du sprint. Mais il perd juste derrière Darrigade. Au vélodrome de Vigorelli de Milan, Ercole Baldini, jeune étoile montante, s'envole littéralement et remporte le record de l'heure. Ercole Baldini al Trofeo Paratti. L'asso al tramonto e la stella nascente in coppia nell'ultima corsa dell'anno. Una orgogliosa.
1957, dans la galerie Victor Emmanuel à Milan, la foule assiste au trophée Baracchi, un contre-la-montre à deux. Le couple Ercole Baldini-Fausto Coppi est en compétition avec Anctil et Darrigade. Ce sera la dernière victoire de Coppi. En 1958, dans la péninsule, la bicyclette n'est plus trop à l'ordre du jour. Nous sommes dans l'Italie du boom économique, des vacances et du cerceau qui fait se déhancher les gamines sur la plage. Le crépuscule semble descendre sur les grands héros du cyclisme. Le 10 janvier 1960, Fausto Coppi, le campionissimo, meurt. Avec lui se referme le livre du grand cyclisme, celui de la nostalgie, du courage et des pauvres. Avec en arrière-plan les duels Bartali-Coppi, l'Italie est sortie de la guerre et s'est lancée dans le boom économique, embrassant la modernité, l'industrialisation et la civilisation de masse. Au milieu des années 50, pendant les Tours de France et d'Italie, entre 5h et 6h de l'après-midi, à l'entrée des cafés, on accrochait d'immenses feuilles de papier où était écrit à la main l'ordre d'arrivée des coureurs dans l'étape du jour. Les noms de Coppi et Bartali étaient écrits en grand. On repassait trois fois sur les lettres. Si d'autres coureurs avaient gagné, un seul trait de crayon suffisait. Lorsque le patron du bar affichait les résultats, les applaudissements fusaient et les voitures s'arrêtaient. C'était l'heure de fermeture des bureaux et du changement des équipes dans les usines. Les enfants allaient attendre leur père à l'arrêt du tram. Aujourd'hui, il ne reste de tout cela que de la nostalgie.